Ce message est pour toi, petite patate. Si tu kiffes cette vidéo, laisse un pouce bleu et abonne-toi. Salut les potes, ici Kira, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo de Garry's Mod en Dark RP. On est toujours sur le serveur médiéval Serious RP avec mon frère. Et dans cette vidéo, le mal sera avec nous. Vous allez comprendre. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert si la vidéo vous plaît et je vous dis bon visionnage. Oh, j'aime bien, sectateur. Moi qui adore le mal, qui adore corrompre les gens, qui adore faire des sacrifices, qui adore la guerre. Je suis Salazar et ceci mon histoire et je suis avec... Salut Sadler. Je ressemble à ça, putain. Eh mais on a trop la classe en fait. On a des têtes de mort accrochées à notre ceinture. Oh mais le masque. Oh mais le masque. On a un chariot, mon gars. Vas-y. Oui, non mais ça c'est pour les nains. Non, c'est pour les vas-y, nains. Vas-y mon gars, monte dedans. Vas-y Sadler, on y va. Un gros torse, mon gars. Putain, on a des gros porcs. Oh putain. Ah, Sadler, regarde. On est arrivé à côté d'une église. Ce monde perverti par Dieu. Voilà, c'est notre nouvelle propriété. Mais t'es sérieux, mon gars? Tu veux pas qu'on habite dans la forêt? Enfin, là, ça fait un peu... Mais non, ça fait mais pas... non, mais non. Eh, franchement, ça fait pas adorateur de Satan. On va installer notre lit ici, tu vois. Ça te dit qu'on rentre dans l'église un peu pour voir ce qu'il y a? On peut se faire pour des prêtres. Oh, mes yeux. Je suis perverti par le bien. La lumière. La lumière m'envahit. La lumière m'envahit, Sadler. J'invoque Satan dans l'église. Il faut corrompre ce lieu. Mais pourquoi tu sonnes la cloche? Mais t'es comme le vent. J'invoque Satan. Tu vas pas invoquer Satan en sonnant la cloche? Salazar, sortons d'ici. Sortons de ce lieu complètement corrompu. Par le bien. Sadler, on est que deux. On peut pas corrompre toute une ville ensemble. Mais non, pas les corrompre. Les purifier. Oui, les purifier. Mais bon, il faut essayer de corrompre le plus de personnes possible. Les hommes sont des serviteurs. Des adorateurs de Satan avant tout. Ça te dit qu'on chope quelqu'un dans un coin qui est tout seul? Ouais. Et qu'on lui pervertit son esprit. T'as des menottes? En lui balançant peut-être des rites sataniques afin qu'il nous suive dans notre aventure. Il change d'opinion politique. Au politique, tu vas un peu loin, Sadler. On n'en est pas là, quand même. Opinion religieuse. Bonjour, jeune homme. Veux-tu rejoindre notre secte? Salazar, faut pas lui dire. Veux-tu répondre à un de nos questionnaires? Connard. Les mecs sont FK. Ouais, connard. Eh, retourne voir ton dieu si puissant. C'est un sectateur qui vole ton chariot. Oh putain, allons le voir, vite, cours. Ils peuvent pas savoir qu'on est des sectateurs, ils ont pas le droit d'influencer sur le skin. Vous pourrez répondre à un petit questionnaire? Un petit questionnaire? Vous voulez pas répondre à un petit questionnaire? Reste là. Mais... c'est juste un questionnaire. Directement, Sadler. Directement. La force, tu veux pas plutôt par la persuasion? Par la force. Non, persuasion, Sadler, persuasion avant tout. Y a-t-il quelqu'un dans cette maison? Sadler, y a personne dans cette maison. Veux-tu répondre à un petit questionnaire de notre part? Désolé, j'ai pas trop le temps en ce moment. C'est très rapide. Ça va très vite, vous inquiétez. Je suis avec mon ami Sadler. Posez-moi les questions maintenant et on va... Mais non, on a besoin d'être à l'aise pour notre questionnaire. Ça me semble louche. Vous savez que je suis dans le métier, moi. Quel métier? Ruse par-ci par-là, j'en connais pas mal. Nous bossons pour l'évangile. L'évangile, nous adorons Dieu et... sommes des hommes saints. Plus tard. Non, je suis déjà un peu... Plus tard. D'accord. Putain. Sadler, faut qu'on revoie notre méthode de persuasion parce que là, je crois que ça marche pas vraiment. On peut se poser dans la maison, hein, si vous voulez. Hein. Venez avec nous. Venez. Près du feu. J'adore énormément le feu. Bonjour. Oh, hey, c'est notre chef. Oh putain. Bonjour. Bonjour. On va vous poser donc des questions. Donc déjà. Bouge pas. Vous vous calmez tout de suite. Alors nous, on est avant tout des adorateurs de Satan. Parce que Dieu, on l'encule. En fait, Dieu, on s'en fout de lui. Donc, quelque peu. Vous allez rester avec nous pour un certain temps. Et notre chef est ici. Qui est lui, là? Et ouais, c'est notre chef. L'adorateur de Satan, de notre Dieu à tous. Respectez le chef. Rejoindre notre cause ou mourir pour notre cause? Si vous refusez. Troisième choix. Mourir pour notre cause? Y'a pas de troisième choix. Non, on va vous foutre dans le feu. Non. Vous voyez le feu derrière? On va vous purifier. On va vous cramer. Du bien qui est en vous. Non, restez là quand même, ne partez pas dans le feu tout de suite. Chef, je vous laisse décider. Okay. Décider de son sort. De son sort. De la manière dont nous allons le sacrer. Je pense que faudrait peut-être lui mettre une flèche entre les yeux. Bah allez-y. Je pense Satan, que... Satan adore ça. Satan serait super content. Ça fait du bien, putain, Sadler. Continuons à chercher des gens, et ceux qui ne veulent pas continuer à nous suivre, tuons-les. Tuons-les tous. Bonjour. J'aurai le temps de répondre à un petit questionnaire. Très rapide. On fait partie des adorateurs de Dieu.
Notre église est juste là-bas. Là-bas. Et... Mais un petit questionnaire là-bas. Un petit questionnaire. Vous tenterez ? Vous n'avez pas le temps, vous êtes sûr ? C'est très rapide. C'est très rapide, ça va très vite, ne vous inquiétez pas. Bon, j'ai vraiment pas le temps. Bon, d'accord. Okay. Très bien. Et son esprit est encore perverti par le dieu. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez le temps de répondre à un petit questionnaire, s'il vous plaît ? C'est très rapide. On peut se présenter, oui, hein, si vous voulez. On est des adorateurs de Dieu avant tout. Hein. Notre église est là-bas. Là-bas. Vous pouvez le voir. Donc on peut répondre à un petit questionnaire dans notre maison, juste ici, derrière. Ah, j'aime bien le faire en public, monsieur, vous savez... Oh, mais monde. Vous savez... Vous savez, c'est très rapide. Dieu est beaucoup plus présent dans son église. Savez, si vous voulez, on peut y aller. Il y a tellement de gens bizarres. Vous savez, c'est très personnel, donc je sais pas... Vous pouvez nous faire confiance. On est des hommes bons, des hommes sains. Ça va être très rapide, c'est des questions assez... Je sais, mais les temps sont tellement... Vous savez, pleins. Oui, dur, les temps sont durs, en effet. Comme les oeufs. Regardez. Vous avez trouvé une autre personne? On est en train de le cramer. Et qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez mis dans la cheminée? Il est bien rôti, vous allez le bouffer, vous êtes dégueulasse. Ce sacrifice l'emmène directement vers Satan. Meurs! Meurs, impie! Impur! Retourne voir tes dieux! Bonjour, madame. Non. Bonjour madame. Vous voulez répondre à un questionnaire? Très rapide. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On loue les... Je n'y crois pas, désolé. Comment ça? Mais on est pour mais le bien. Le questionnaire est aussi bien pour les athées que les croyants. Quel est votre questionnaire? Nous pouvons vous le présenter si vous voulez être plus à l'aise par exemple dans l'église. Nous avons de quoi faire ce questionnaire dans l'église. Nous ne ballonnons pas avec autant de papiers. Très bien, bah... Bonne journée. Bonne journée alors. Ouais, bon. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. 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 Est-ce que vous êtes là monsieur? Bon. Il y a le maire. Est-ce qu'il se passe? Bonjour, monsieur. Monsieur. Bonjour monsieur le maire. On organise des petits questionnaires à travers la ville et on recherche donc des personnes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, hein, bien entendu. Vous avez... D'accord, bah j'accepte. Vous voulez répondre à un questionnaire? Vous voulez répondre à un questionnaire, monsieur le maire? Oui. Ah bah venez. Venez dans l'église. Venez dans notre église alors. Nous avons notre questionnaire. Putain, on va tuer le maire, dis-moi. Entrez, le maire, les amis, on a chopé le maire. Entrez dans notre demeure, maire. Donc voilà notre demeure, hein. On exerce depuis des années, hein, dans cette formidable église, avec notre ami Sadler. Sadler, viens là. Ouais. Tu fais quoi, Sadler? J'arrive. Sadler. Et notre chef, bien entendu, qui est présent derrière vous, hein. Le chef, tout puissant. Et donc, on vénère avant tout Dieu, Jésus. Voilà, c'est plus facile avec des menottes. Voilà, avec des menottes, c'est vraiment plus facile. Pour discuter, c'est pas mal. C'est pas mal, hein, pour discuter avec des menottes. Alors, bon, on va pouvoir vous poser notre petit questionnaire, hein. Questionnaire avant tout. Calmez-vous, arrêtez d'essayer. Vous calmez. Chef, il veut pas coopérer, hein, notre ami le maire. On avait dit un petit questionnaire, donc vous calmez. Essaye de se débattre. Mais non, mais... Notre première question du questionnaire, c'est est-ce que vous adorez Satan? Débattre, nous devons vous abattre. Non. Ah bah, c'est la mauvaise réponse, malheureusement. Et je crois, malheureusement, qu'on va devoir vous sacrifier. Puisque vous n'adorez pas Satan. Non, ne partez pas. Non. Revenez ici. Ne partez pas. Il n'adore pas Satan. Ce n'est pas un lieu pour lui. Sacrifions le maire dans l'église. J'adore. Vous adorez? Attendez, répétez. J'ai pas très bien entendu. Encore une fois. J'adore Satan. Ah, vous adorez Satan. Rejoindre. Vous allez rejoindre Satan alors. Vous l'adorez tant que ça, chef. À vous. Tuez-le, chef. Satanic tatalati, satanati, chétan, holy sinne, holy sinne, holy. Meurs, adorateur de Jésus. Je sens la force qui influe en moi. Je me sens puissant. Satan, c'est pour toi ce sacrifice dans cette église. Oh, putain, ça fait du bien, chef, quand même. Ça fait du bien, Satan. On s'en mord. Donc trouver un forgeron. Ah, tu fermes notre bâtisse, notre maison, la maison de Dieu avant tout. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Est-ce que vous voulez répondre à un petit questionnaire? Non. Non, pas du tout. Ok, bah aucun souci. Par contre, vous faites peur, hein, quand même. Attendez. Vous êtes pas adorateur du mal, là? On va chercher des armes, peut-être une dague ou... autre chose. Venez avec nous, on va être un peu plus tranquille là-bas, il y a trop de bruit. On aurait besoin de dagues en fait. De dagues. Vous aurez quoi comme petite arme qui pourrait... Pas très grande. Ouais, pas très grande, des petites armes de préférence. Qui coupe? Nous sommes des hommes discrets. Qui coupe? Des petites épées. Des couteaux, vous êtes... Des épées un peu moins chères que les épées impériales, vous avez? Ouais, j'ai des épées de base qui est à 1000... Montez. Nous allons en prendre... Je pense.
C'est possible. Alors moi j'ai 870 écus. Non, vous inquiétez pas, je vais payer. Merci, jeune forgeron. Vous avez le temps de répondre à un questionnaire. Vous avez le temps de répondre à un questionnaire ou pas? Madame, vous voulez répondre à un questionnaire pour gagner des écus? Vous m'avez l'air d'être une noble personne. Allez, je vais votre questionnaire. Ah, bah venez, voilà. venez dans l'église. Dans notre église. Dans notre demeure. Venez, madame. Ça fait longtemps que vous êtes en ville? Non, pas longtemps. Normalement, j'allais censé être allé dans un royaume. Oh, très bien, d'accord. Et dans quel royaume? Venez, c'est pas venez. Encore, c'est dit qu'il ne contient pas de reine. Bienvenue dans notre église, madame. Bienvenue. L'église du bien, de la lumière avant tout. De la Et l'église de Jésus, hein. Voilà, notre culte avant tout. Venez, on sera beaucoup mieux. Donc la première question, c'est est-ce que vous adorez Satan, notre maître? Je ne crois pas en tout ça. Suivez-nous alors. Si vous croyez pas en tout ça, bon, vous avez répondu à la première question, qui est la seule. Est-ce que vous êtes sûr? Vous allez devoir être sacrifié. Donc, ouais. Alors je pense que ça sera un coup d'épée chacun. Je pense que c'est une bonne manière pour ce sacrifice. On va vous reposer une fois la question, voilà. Hein. Est-ce que... Taisez-vous, madame. Est-ce que vous adorez Satan? Oui, allez. Vous l'adorez, vous allez le rejoindre. Vous allez le rejoindre alors? Ouais, je suis prête. Vous m'avez l'air bien idiote. Vous avez vu quoi? J'ai tout, j'ai rien senti là. Mourez pour Satan! Allez. Et voilà, un autre sacrifice, on a tué la reine. Ça se voyait qu'elle aimait pas Satan. Vieille salope. Détritus. Poufia. Rejoins ton dieu. Wow, ça fait du bien de tuer des gens. Nous allons continuer à ramener du monde. Pourquoi la porte est ouverte là-bas? Eh oh, revenez! Revenez! Bougez pas, monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? Qui est ce mystérieux individu caché derrière la porte? Est-ce que Salazar, Sattler et leur chef vont pouvoir continuer leur sacrifice? Toutes les réponses seront dans le prochain épisode.